concrètement, cette formation m'a permis de changer de poste, de passer, comme je disais, de gestionnaire à chef de projet, d'avoir une augmentation et aussi d'avoir une légitimité au sein de mon poste, de mon service et vis-à-vis des autres collègues de la Fondation. Effectivement, la formation d'auxiliaire m'a donné tout ce côté médical qu'on n'a pas en travaillant comme assistante maternelle ou en crèche. Donc je peux maintenant reconnaître plus facilement certaines maladies sur un enfant. Donc la formation de JE permet aussi de prendre contact avec différents publics, ce qui permet aussi quelque part de prendre confiance en soi. Le fait d'être ostéomathérapeute maintenant, c'est aussi un moyen d'améliorer mes connaissances à la fois techniques et pratiques quant à l'appareillage des gens. Ça m'a appris à avoir plus de rigueur dans mes projets, avoir les outils pour mener à bien mes projets, respecter notamment le planning, faire un cahier des charges, l'expression du besoin, mener des réunions, ça m'a permis toutes ces choses-là. Oui, je continue à porter aussi les valeurs de ce projet, j'y crois.